Et d'abord, les mesures de protection contre le coronavirus. La Chine compte désormais 81 victimes, plus de 2700 personnes contaminées, selon les sources officielles. Et plusieurs pays ont décidé d'organiser le rapatriement de leurs ressortissants qui sont dans la zone de quarantaine. C'est le cas de la Belgique. Éric Destiné. Wuhan, une ville entre parenthèses. Dans les rues de la mégalopole chinoise, épicentre de l'épidémie, chacun vit cloîtré chez soi, à la demande des autorités. Il faut dire que le bilan en Chine a grimpé. 81 morts et plus de 2700 personnes contaminées. Alors certains sur place veulent partir, comme cette Française qui a bouclé sa valise. Plusieurs pays, dont les États-Unis, la France et la Belgique, ont pris une décision ferme. Rapatrier leurs ressortissants qui vivent dans la région la plus touchée. On a pris des contacts avec les ressortissants belges qui sont dans la zone confinée. Il y en a une quinzaine qui sont concernés au total, que ce soit eux-mêmes ou des proches. Et donc certains d'entre eux ont mis le souhait de pouvoir rentrer. Donc la Belgique va effectivement mettre elle aussi tout en œuvre pour permettre leur rapatriement. La Belgique déconseille aussi les voyages à Wuhan et dans la province concernée. D'autres pays vont encore plus loin. Pour l'Allemagne, c'est toute la Chine qui doit être évitée. Les voyageurs doivent envisager de repousser ou d'annuler les voyages non indispensables en Chine. En Chine, les autorités font tout pour décourager les déplacements. Les vacances du Nouvel An chinois ont même été prolongées pour éviter les mouvements de population. Et quand certains parviennent quand même à bouger, une seule consigne, il faut s'isoler. À partir du moment où certains quittent les zones touchées par la maladie, par exemple s'ils reviennent de Wuhan, ils doivent effectuer des tests médicaux par eux-mêmes tous les jours pendant 14 jours, mesurer leur température deux fois par jour et si les conditions le permettent, essayer de vivre seul dans une pièce bien ventilée et réduire les possibilités de contact avec les membres de leur famille. Hors de Chine, l'Organisation mondiale de la santé confirme que 29 cas ont été détectés dans 10 pays différents.